Salut l'ami, qui dit vendredi dit Paris public pour ce week-end. Alors, cette fois, j'ai extrait mon pari public pour toi. Bien, je l'ai extrait parmi les 7 paris pré-match que j'ai sélectionnés pour les membres de mon club privé pour ce week-end. D'ailleurs, si jamais tu veux recevoir tous ces paris pré-match, eh bien, n'hésite pas à jeter un œil sur mon club privé. Je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Alors, le match que j'ai extrait, que j'ai choisi pour toi, c'est en Ligue 1. Je sais que tu es un fan de Ligue 1 et j'en ai trois ici. Donc, je me suis dit, je vais en choisir un. J'ai pris Marseille-Lyon. Le match a lieu dimanche à 20h45. Alors, au niveau du classement, on a Marseille à domicile, donc qui est cinquième au classement, qui reçoit une équipe de Lyon qui est plus ou moins à la même place, on va dire huitième au classement. Au niveau des confrontations direct entre ces deux équipes. Le dernier match, c'était Marseille-Lyon le 1er mai 2022, 0-3. Et avant ça, Lyon-Marseille en février 2022, 2-1. Alors, il y a des blessés. Ok, Ruiz à Marseille et alors Hollersbeck et Tolisso à Lyon. Alors, pas de buteur clé absent, hein, j'ai vérifié ici. Hein, moi, je connais pas toutes les équipes par cœur. Je vois qu'à Lyon, eh bien, on a un top buteur qui est Lacazette, mais il n'est pas renseigné absent. Et à Marseille, on n'a pas vraiment de top buteur. Okay, ça se répartit entre plusieurs joueurs, donc pas de problème non plus à ce niveau-là. Alors pourquoi j'ai choisi, eh bien, ce pari? Je vais te l'expliquer tout de suite avec les statistiques, mais n'oublie pas avant ça, de t'abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que depuis tout ce temps, c'est quand même déjà fait. Je te remercie d'avance. Alors, le pari que je te propose, hein, c'est le BTTS, les deux équipes marquent, comme souvent sur cette chaîne. Dans ce type de pari, eh bien, comme son nom l'indique, je veux que les deux équipes marquent, donc que je veux avoir deux équipes capables de marquer. La question à se poser, c'est est-ce que Marseille est capable de marquer? Eh bien, à domicile, Marseille a toujours marqué, sauf dans un match. Okay, donc, c'est plutôt une bonne statistique. Le dernier match contre Lens, qui est quand même une équipe supérieure. Et du côté de Lyon, en déplacement, c'est la même chose. Lyon a toujours marqué en déplacement, sauf dans un match ici. Et hop, contre la même équipe, Lens. C'est une équipe qui a une bonne défense, apparemment. Donc, c'est des stats très bonnes pour moi au niveau du scoring. Et bonus non négligeable, c'est qu'en plus, ces équipes encaissent facilement. Marseille a encaissé dans tous ses matchs à domicile, sauf un. Et Lyon a encaissé dans tous ses matchs, 100% de ses matchs à domicile. Donc ça, c'est super pour ce type de pari. D'ailleurs, ça se reflète dans le pourcentage, le taux de BTTS pour ces deux équipes, vu que dans 5 des 7 matchs à domicile pour Marseille, eh bien, les deux équipes ont marqué. Et ça monte à 5 de, parmi les 6 matchs extérieurs de Lyon, donc 83% de BTTS pour Lyon à l'extérieur. Donc des stats très élevées. Ok, alors on a une cote aux alentours des 1,65, mais même pour cette cote, les stats sont très très bonnes pour moi. C'est pour ça que j'estime qu'il y a de la value. D'ailleurs, GoalProfits estime aussi qu'il y a de la value dans cette cote. Donc on est sur la même longueur d'onde, encore un indicateur positif. Alors regardons de manière plus précise justement ces cotes sur les bookmakers.com. La moyenne du BTTS est à 1,60, mais sur Pinacle, tu la trouveras à 1,65. Sur Betfair, OrbitX, tu la trouves aussi au même niveau. Okay, donc au-dessus de la moyenne, très bonne cote pour moi. Alors, tu vas me dire, tu n'as pas accès à Pinac ou Betfair. Eh bien, si, tu peux avoir accès à PS3838 et OrbitX, qui sont les clones de Pinac et de Betfair, avec les mêmes cotes exactement. Je te montre comment faire gratuitement dans ma formation de Betfair. Comme d'habitude, je te laisse aussi le lien dans la description de cette vidéo. Ne manque pas cette formation car c'est très important pour toi et pour ton profit sur l'année. Tu es obligé en tant que parieur, du moins si tu es sérieux, d'aller chercher les meilleures cotes, okay, du marché, et elles sont là sur OrbitX et sur PS3838 ou si tu préfères Betfair et Pinac, c'est la même chose. Ok, donc au niveau de la mise, maximum 2%. Je te rappelle que le match a lieu dimanche, 20h45, Marseille-Lyon. Dis-moi, donne-moi ton avis, hein, sur ce pari pré-match, c'est toujours intéressant. Mets ton avis en commentaire. Un like si tu es d'accord, un dislike si tu n'es pas d'accord. Et surtout, partage un maximum avec tes amis et avec tous les gens pour qui tu veux du bien. Merci, bon week-end et bon pari à toi.